Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour vous toutes dernières informations à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous sommes mercredi 10 avril 2024. Bienvenue dans la troisième édition Journal Créole, nous, qui a présenté au Pazamé ou Dieu Richiristal en collaboration avec VOA Créole. Actualité, nous va gagner pour nous développer pour un journal ça, une installation conseil présidentiel là, qui toujours trouvé dans une situation difficile pour qu'il soit capable d'installer après plusieurs documents à fin remettre à CARICOM. Et CARICOM a envoyé documents ça, à Ariel Henry pour te présenter pour capable, et bien, qu'il y ait plusieurs réunions avec un conseil, avec ministre, conseil ministre qui était réuni hier soir et jusqu'à présent pour que j'aime rien qui présentait pour moi qui est conseil ça lui-même, il est capable de présenter après 2 heures de temps, conseil ministre lui-même, il était réuni et après le gagner après 2 heures de temps, amis internautes, après le gagner conseil ça qui après vient suspendre le travail, bien Ariel Henry lui-même qui a gagné grande communication ensemble avec André Michel, comme quoi, eh bien, fort quand dossier ça, lui-même, il a décidé de camper pour que le conseil présidentiel, ça lui-même, il est capable de faire le bout de terrain pour que le dossier soit capable d'arriver devant le conseil, devant le cours de cassation et que le cours de cassation lui-même capable de gagner. Il y a un président qui sortit la donne et surtout, ensemble avec quand chaque président conseil ça, il est capable eh bien, analyser documents, yo, analyser toutes pièces à chaque ministre, devant chaque ministère, yo, pour que document soit capable de passer, pour capable analyser comme quoi que vous connaissez. Est-ce que Mounsao est capable de faire partie du conseil présidentiel si là? Et dans le moment, en pile, moun a demandé pour que conseil à lui-même, li capable, eh bien, camper ou capable résister et ensuite tout et gagner plusieurs moun dans la communauté nationale là qui a demandé pour Guy Philippe lui-même, li capable de représenter comme président transition pour diriger en tant que 59e président d'Haïti. Gagner tout, même conseil, gagner tout, moun sa yo qui t'a trouvé yo en dedans conseil présidentiel ça, gagner en pile plusieurs là-dedans, t'a trouvé yo en grande difficulté pour qu'il t'a présenté en dedans palais national. Parce que à travers tout ça qui a fait et surtout bon côté ti monsieur gang armé yo bon côté ti monsieur vivre ensemble qui pas décidé fait un jour pour partir sous palais national plusieurs dans même conseil là t'a décidé pour que eux-mêmes yo pas entrer dans palais national pour capable installer parce que li possible pour que eux-mêmes yo capable quitter pour yo en dedans palais national là. De l'autre côté amis internautes gagnent l'état haïtien prend toute disposition pour capable démolir plusieurs carrières qui t'a trouvé là aux environs de l'aéroport international à Toussaint Louverture qui trouvait une situation après plus que 2 mois que au même yo pour jamais capable river fonctionner avion pas capable ni voler ni entrer dans le pays d'Haïti à cause de divers cas qui t'a trouvé yo qui t'a trouvé comme cachette en gang yo qui décide de tirer sous aéroport et puis sous plusieurs citoyens pendant yo même y a veillé côté Ariel Henry a sorti pour que au même yo t'a tiré sur lit nous voulait parler de ti monsieur vivre ensemble yo. Et bien puisque pour aéroport lui-même il est capable de fonctionner pour que compagnie aérienne lui-même yo capable river gagner vol yo t'a décidé demander pour yo t'a décidé faire connait yo disponible et yo disponible et yo décidé pour capable fonctionner mais à la seule condition faut quand toute caille qui t'a trouvé au bon côté aéroport international Toussaint Louverture là faut que même yo t'a crasé ou du moins faut que yo t'a démoli et l'état haïtien qui prend disposition ça pour que même yo capable démoli depuis ces cailles qui trouvé yo nan environ nan enceinte là et ben gagner plusieurs cailles qui déjà commencé démoli avec un décaissement de 300 millions de gourdes qui sorti en dedans finance qui sorti dans mini dans caisse dans trésor public et que ministère des finances lui-même qui croit il est possible pour que chaque monde qui gagne caillou ensemble avec papier qui ont apporté et montrer que c'est eux-mêmes qui ta propriétaire caillou ça yo ensemble avec terre yo disponible pour que capable et bien bayan tout moun sa yo accompagnement. Entre temps, genyen plusieurs moun ki ta trouvé yo nan ansèt lan zanmi internaute ki pa genyen aucun document, yo même ki ta fè yo passé pou propriété kay sa yo ensemble avec antè yo et jusqu'à présent yo tout après les kay yo ap démoli et jusqu'à présent yo poukò genyen yon goud lesko nan men yo. Et genyen zanmi internaute genyen koban ki déjà disponible pour chaque monde, c'est ça va dépendre de quantité grosseur
Kaiwa ensemble avec Théa Limulier, c'est à environ 500 000 gouttes jusqu'à 32 millions de gouttes pour chaque monde qui t'a trouvé au gagné Kaiwa en dedans tout près aéroport international Toussaint Louverture. Gagné cette réunion qui t'a déjà faite non avec chaque propriétaire ça yo après chaque après réunion ça yo déjà gagné 20 cailles qui t'a déjà démoli depuis hier et dans 20 cailles ça yo gagné 12 monde qui t'a déjà joint chèque pour que eux-mêmes yo capable et bien organiser yo pour capable al fait yon ti ajou pas yon l'autre côté. Yon l'autre côté zami internaute gagné et spécial réunion qui fait en pays qui fait en siège organisation état américain OEA dans Washington et bien sous un conflit qui gagne un conflit diplomatique entre Équateur ensemble avec et ensemble avec pays Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge lui-même qui t'a trouvé dans l'ambassade là et bien Mexique dans ville Quito en dedans pays Équateur qui eux-mêmes ils ont décidé arrêter parce que Équateur lui-même gagnait et au numéro 1 OEA qui t'a demandé pour que monsieur ça même il t'a respecté loi internationale là c'est pas comme ça que eux-mêmes ils sont capables de poser la patte sur une série de citoyens qui t'a trouvé comme étranger dans un pays une grosse attaque l'armée Israël lui-même li t'a fait t'arriver détruire la vie trois petits garçons leader suprême Hamas là et bien Israël a annié lui-même qui t'a fait annoncer là côté que dans moment n'a parlé là gagné un gros négociation qui a fait pour qu'il capable gagner un cessez-le-feu en dedans Gaza et ben gagner Benjamin Netanyahu premier ministre israélien qui t'a déclaré zami internaute attaque ça lui-même malgré gagner Washington ensemble avec Nations Unies et même qui t'a content tout ça qui a fait yo et ben malgré guerre ça lui-même qui commencé depuis le 7 octobre 2023 et bien gagner Israël li gagner ti monsieur militant Amasio qui t'a déjà kidnappé yon latrier moun pour Israël et bien même pour que capable river jeune monde ça yo faut pas ta gagner yon grain habitant Hamas qui existait en dedans Gaza et au même yo dit yo fait carré et bien attaquer depuis ces monde qui trouve yo dans Gaza faut que même yo capable éliminer tout habitant ça yo de quoi que pour pas gagner yon grain habitants qui trouvent en dedans Gaza. Président Joe Biden, bon côté parlant lui-même, zami internaute dans pays États-Unis, accueilli dans palais national premier ministre japonais Fumio Kishida côté que lui-même qui choisit pour que capable gagner de très grandes relations dans sa kéolo côté que dialogue qui te gagner c'est de la technologie ensemble avec défense là il tout profiter prendre un dîner d'état ensemble et bien qui pour parler sur grandes relations qui gagner en tant pays États-Unis ensemble avec Japon et là on va quitter une loi historique en deux pays ça pour tout petit pays qui a vivre soit dans pays États-Unis ou du moins dans pays Japon et deux pays ça capable toujours gagner de très grandes relations pour toute l'année qui va gagner pour venir et que mon deux pays ça capable voir comment deux pays ça même est arrivé à fonctionner. Voilà amis internautes, c'est tout point ça que nous est arrivé développer ensemble avec vous. Nous va quitter ensemble avec la voix de l'Amérique confrère nous qui trouve nous depuis Washington DC pour plus de détails à reportage. Et jeudi, c'est mercredi 10 avril 2024. Yon plaisir, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël, prend la vie trois petits garçons, leader suprême Hamas, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là, dans le moment gagné, yon négociation cap fait pour un cessez-le-feu dans Gaza. Ici, aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche, premier ministre japonais Fumio Kishida, côté au palais, entre autres, de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège organisation État américain OEA dans Washington, sous un conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass dans l'ambassade Mexique dans la ville Quito en Équateur. Et puis actualité en Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans l'impasse pendant la crise là continue à aggraver dans le pays. Et c'est pour ça yo avec l'autre corps nous pour développer pour dans un petit moment merci d'esco choisi VO Acréole pour informer yo visite officielle cap gen la dan dîner d'état dans occasion vireron premier ministre japonais aux États-Unis une visite qui commence jodi a dans la Maison Blanche
On a loué sa vie. Dans la Maison Blanche jeudi mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame nan Jill Biden recevra premier ministre japonais Fumio Kishida qui l'a gagné avec tout madame ni. Monsieur Biden accueilli ak en pile honneur visiteur sa yo nan sa en pile moun considéré tan kou yon visite historique. Distinguished guests, the President of the United States. Mr. Kishida, welcome. Président Biden nan non vice-présidente la Kamala Harris ak tout maril nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays a pendant li présenté leader japonais comme un leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine nan lutte contre invasion la Russie. Premier ministre japonais bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir nan occasion viré won ça nan moment y a travail sous défense indo-pacifique là. Premier ministre japonais a expliqué que le gouvernement n'a pas prêt pour tourner un partenariat mondial pour lever un pile défi dans la région et défi dans le monde. Visite officielle ça à Cap Gain-la-Danto, un dîner d'État, c'est occasion pour deux leaders faire appel historique sous histoire et aborder un pile dossier important en cours et stratégie et défense. Mais tout visite ça a gagné un autre symbole entre États-Unis et Japon pour alliance que gagné qu'il a longtemps. Nan mitan cerisier yo, nan mitan cherry blossom. Nan occasion de partenariat, te tout profité annoncer nouveau partenariat sous programme qui gen rapport ak technologie, exploration spatiale sous la lune ak partenariat sous recherche sous intelligence artificielle, énergie propre sans blier question qui gen rapport ak semi-conducteur. Et bien, actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté président Joe Biden, pensait que ça, on, c'est à pour erreur si Israël ben, menait opération dans Rafah pendant ce temps, gagnait leader et suprême Hamas là qui perdu trois petites garçons, et puis gagne quatre petites tout qui mourit pendant que a gagne une négociation qui sous pied pour essayer de jouer un cessez-le-feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, by station Univision, et que chaîne Pagnol l'a diffusé hier mardi 9 avril là, l'idée États-Unis a exprimé gros qu'elle sautait sous action premier ministre Israël Benjamin Netanyahu a posé dans le cadre de conflit État-Juif là à groupe Hamas là. Il qualifie action Sayo comme une erreur, particulièrement attaque militaire israélienne été lancée sous véhicule personnel qui a fait assistance humanitaire dans Gaza. M. Biden t'a aimé pour État-Juif là proposer un cessez-le-feu qui va être camion qui a pu manger avec médicaments, accès au territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qui a vint là. Yon l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismaïl Haniyeh annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera la mort trois petits garçons avec plusieurs petites lits qui périssent en frappe militaire israélienne lancée sous Gaza. Mon remercie bon Dieu pour honneur qui transforme trois petits garçons avec divers petites moins en martyrs. Monsieur Haniyeh te fait annoncer étant dans le pays Qatar, leader groupe Hamas là qui a 61 ans, gagne 13 petits garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc, les négociations ont continué pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza et pendant que le président Joe Biden, une autre fois encore, ensemble avec les Nations Unies, l'autre instance, dit que c'est un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que c'est la dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre, c'est et mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité, il y a une spéciale réunion dans le siège Nations Unies, pas dans les Nations Unies, dans OEA plutôt dans Washington, côté où tu as considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et ancien vice-président équatorien Georges Glass dans l'ambassade Mexique là dans la ville Quito en Équateur. Jean-Aubert Philippe qui suivre pour nous dossier ça. Jean-Aubert, il faut dire que tension diplomatique ça déjà gain conséquences. Oui, effectivement, c'est il y a un pile qui a sauté tout pour que par une répétition qui fait comme ça dans la zone. Les par exemple, forces de l'ordre ont entré dans l'ambassade qui sont en mission qui est en général d'après la loi internationale qui est inviolable. Et c'est comme ça que ça a fait. Mais tout, les États-Unis, ensemble avec l'OEA, ils ont demandé à ce que les parties concernées, donc Équateur avec Mexique, que chercher une entente pour résoudre le problème diplomatique ça, sans avoir besoin d'un bouche ouverte. Et c'est comme ça que la rencontre qui était faite jeudi, c'était l'objectif là, tant des parties concernées, tant des autres pays et tout. Mais quoi, t'as dit, il défend une position là, et le fait qu'il était entré dans l'ambassade là, il y a des informations que très certainement pays concernés, que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région, pas de gain.
Mexique nan bouche l'ouvri diplomatique avec Équateur après descente de l'île force de l'ordre été fait dans ambassade pays à dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass qui était prend refuge dans mission diplomatique mexicain. L'assaut à notre embajade. Président Manuel López Obrador parle pour dire c'était une attaque sur l'ambassade là. Un gouvernement pas posé action comme ça s'il si pas senti li gain support l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous pourrons porter dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel ambassade là qui t'a cherché empêcher force de l'ordre arrêter ancien vice-président. Mexique te offre ancien vice-président grâce asile. Président Obrador déplore position États-Unis à Canada pour façon y réagir après descente de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position du pays voisin yo vague et yo pas clair. Mardi 9 avril, les États-Unis ont demandé à l'Équateur pour travailler avec le Mexique pour joindre une solution pour chirer pite diplomatique que yo gagne entre eux. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against the États-Unis. Jake Sullivan dit, États-Unis condamné événement 5 avril là qui c'est une violation convention relations diplomatiques Vienne, tant qu'au utilisation de la force contre responsable ambassade. Nous réviser image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là et quoi réaction pas de bon. Pour qu'on y là, employé ambassade Mexique là, dans Quito, retourner la CAIO sous demande autorité mexicaine. Pays membre organisation État américain a rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans l'ambassade Mexique là, dans Quito. Il réitéra l'obligation que tiennent tous les États de ne pas invoquer normes de droit interne pour justifier. Secrétaire général de l'organisation régionale là, Luis Almagro, déclaré Équateur de respecter les lois internationales. Mission diplomatique inviolable. Numéro 1, l'OEA a ajouté loi interne PIA pas capable de justifier des centres de lieux. Jorge Glass, qui était vice-président en 2013 et 2017, était condamné pour passer 6 ans en prison pour accusation que l'été accepté coûte l'argent imbattable dans mes compagnies construction brésiliennes Odebrecht pour être capable de faire joindre en retour contrat au gouvernement. En 2020, ancien vice-président a joué l'autre condamnation 8 ans en prison en bas accusation que l'été utilisé l'argent contracté pour te financer campagne mouvement politique président Rafael Correa. Tribunal là, t'es lagué glace en 2022. Jeudi, elle a fait face avec l'accusation que l'État a mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction de la province Manabi, qui bol en mer après le tremblement de terre 2016 là, était dévasté. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier. Ça, d'ailleurs, le dossier a été déjà devant Nations Unies. Il y a Rafael Correa, ancien président équatorien, qui lui-même pensait que son kidnapping que vous faites sous ancien vice-président équatorien et puis Jorge Glass et Diaz qui c'est petit et garçon ancien vice-président qui lui-même il dit l'a laissé deux fois pour loi papal lui pas voulu et il pensait que c'est un abus que vous faites sous douane. Vous souvenez à créole on suivi un programme dans langue créole haïtien. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité à mener nous connaître dans le pays d'Haïti. Et côté installation conseil présidentiel transition, il est toujours dans le passage pendant que la crise là a continué à aggraver dans le pays, surtout avec opposition, avec contestation par rapport à et conseil et présidentiel transition. Nous allons rejoindre correspondant nous, Renan Toussaint. En pile personnalité haïtienne, attend publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non, 9 citoyens qui pourraient faire partie officiellement Conseil présidentiel transition. Moun sa yo pou kon pou ki lè yo la, puisque mardi soir 9 avril 2024, gouvernement démissionnaire Ariel Henry, qui était réuni en Conseil des ministres, transmet projet accord qui créait organisation et fonctionnement structure ça dans service juridique tout ministère pour capable vérifier si projet est conforme à loi organique institution l'État. Yo. Ancien Premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche là pas bon parce que gouvernement démissionnaire. Qui ne comprend pas le problème là parce que il y a une liste pour dire publier dans le moniteur. Mais il y a un mécanisme pour publier dans le moniteur. On ne peut pas demander à un gouvernement, même s'il est démissionnaire, il ne résout plus les démissionnaires pour publier un bagage illégal.
Bon côté parle Rose Mongeant qui c'est leader Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique qui regroupait plusieurs dizaines de structures sociopolitiques parmi eux Haïti diaspora réunis pour Jomo avec divers autres qui réagit tout sous dossier ça dit ministre Kilayo pas gain prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Pendant ce temps, la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, attend mise en place officielle Conseil présidentiel transition. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordonnateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique aux Mongeants. Il a annoncé une manifestation contre mise en place et Conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Vilmé, il trouve la capitale haïtienne. Rose Mongeant qui identifie tête li comme un opposant gouvernement Ariel Henry et puis qui dit il pas marcher dans démarche CARICOM là annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui va venir là pour aller dénoncer démarche si là yo quoi qui c'est une menace contre indépendance pays. Nous dit la CARICOM les États-Unis, la France, le Canada pas gain ça dans attribution puisque yo cap nommer président pour nous. Pardon, cap nommer président pour nous en Haïti. Et encore plus, qui venait avec le conseil créé de 10 mounes, de 9 mounes, de 9 malfaiteurs, nous dit, nous-mêmes, n'a fait résistance parce que c'est un très mauvais antécédent, il a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, nous, c'est une menace à la souveraineté, nous. Nous-mêmes, comme haïtiens, personne ne va arrêter le droit à ça, mais nous, pour nous dénoncer. Et on t'a dit tentative qu'a fait là pour vendre le pays. Mais stratégie, c'est gonfler force pour nous répondre dans toute mobilisation, pour nous casser bagaille ça là, pour nous casser stabilité ça, pour nous résoudre le problème de stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaident en faveur avancement mise en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour haïtiens conscients des situations. Je crois que monde qui soit disant dit on a conseil là. Ce n'est pas les gens qui sont en l'air, ce n'est pas les gens qui sont en France, ce n'est pas les gens qui sont aux États-Unis, c'est les Haïtiens. Oui. Je dis que les Haïtiens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le pays, donc ils ne sont pas capables de dire finalement pas Haïtiens. Je me conseille eux, en conseil, là, comme pour les jeunes, une alternative, le consensus, une entente politique pour permettre de façon à ce que les dotés pays de un président qui se tient dans le conseil. Là. Avec le conseil, là, mais même. Je ne peux pas dire même si on ne peut pas faire pour le pays. Mais moi, comme étant donné que moi, son bagage qui est plus ou moins là, plus ou moins, moi, c'est l'inéo à parler sur lui tout côté de la radio. Mais il faut que nous connaissions que le peuple a souffert là. Ok, le peuple a souffert là, pour qu'il y ait une solution. Je ne sais pas qui est le cabinet, conseil, je ne sais pas qui est le président. Mais son seul bagage, il a besoin de souffrir. Bon, moi, en tant que citoyen et citoyen avisé, je souhaite que le conseil là, côté un résultat pour. Population. Face à l'instabilité politique là, qui traînait derrière une augmentation de violence et un niveau d'insécurité sans pareil, qui la cause monnaie haïtienne a perdu valeur devant le dollar américain. Côté sous-marché formel là, c'est 132 à 133 gouttes pour le dollar, alors que sous-marché informel là, c'est 137 à 138 gouttes pour le dollar américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Creole. Merci, Massado Vilmé. Pendant que l'installation conseil présidentiel transition lui-même est en difficulté, il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale là, qui continuent à réclamer pour y aller. Dans le cours de cassation, pour rejoindre un juge qui est régulièrement nommé pour venir assurer transition. Donc, ça qui fait que jusqu'à présent, il y a un pile flou dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti pendant que la communauté internationale lui-même, il y a même gardé pour y aller. Et dans quelle mesure que l'installation est capable de faire. Et puis, dans la question gang armé qui continue à simer l'intérêt, eh bien, il y a Gary Desrosiers qui présentait un bilan opération police nationale à mener pendant le dernier jour que se passait là dans le pays pour faire face carré avec gang armé. Nous sommes sur place Yves Manuel dans Port-au-Prince. Direction générale police nationale d'Haïtien présenté bilan partiel intervention et opération li mené pendant la période 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisis lors d'une intervention conjointe qui fait au cap dans le douanement et avec appui de agents douaniers. La police a recherché activement Wilman Jean, commissionnaire de douane.
Bartol, ainsi connu, c'est lui-même qui t'appelle recevoir Carison. Environ 1500 cartouches de calibre confisquées, 6 300 000 gourdes confisquées, 20 000 dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisquées, gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention et opération de la police. Gagné 16 armes qui saisies, dont un fusil d'assaut lors d'une opération et intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui sont neutralisés par la police lors des champs de tir avec la PNH. New York, ainsi connu, qui a opéré dans une cité de Doudoun. Ou se blessé mortellement lors d'un échange de tir avec la police. La police saisit lors de démonstration. Un fusil d'assaut, une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, dans Japon, Jean-Pierre Anthony, qui continue d'opérer par l'acquis. Monsieur qui fait partie d'un gang qui a opéré dans sa arrière team au niveau Japon. La police procédait à l'arrestation d'un policier. C'est policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouk. Bandi ont utilisé plusieurs méthodes pour empêcher population à vaquer à occupation. Gary Desrosiers continue à demander soutien population pour traquer gang yo. Nous sollicité à plus population dans le travail que nous avons fait. Situation sécuritaire très délicate. Et Bandi ont utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population d'acquérir une bonne activité. Et nous tirons tout en direction PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov, et nous utilisons nos armes fin de fois. Opération et intervention police nationale d'Haïtien pour qu'elle continue dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et bien, dans le cadre d'opération que la police a menée, il y a été gagné et démolition plusieurs cailles dans la zone aéroport international là et côté ça sorti c'est bien et compagnie sécurité qui fait et compagnie aérienne exigence si pas gagné assez de sécurité notamment dans zone aéroport yo pas capable bayo assurance et l'état haïtien lui-même li obligé prendre les mesures nécessaires c'est ça qui fait que mais police nationale a commencé dans démolition mais ça qui passe c'est que gagne pile monde qui dit que ou bien caillou marqué à démolir ou bien au démoli mais au poko joine cob et que l'état promet yo pour caille que yo crasia et puis gagne problème de titre de propriété son dossier qui très important n'a retourné sous les l'autre point d'actualité toujours concernant le pays d'Haïti gagne la maison blanche qui a essayé faire congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui gagne pour entrer dans le pays d'Haïti et qui a gagne tête li Kenya Sandra Lemaire gagne des sous des massacres qu'a fait. Conseiller Maison Blanche sous affaires sécurité nationale Jake Sullivan dit journaliste m'a dit que administration a consulté Congrès pour chercher débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force. Consulting with the Congress to try to unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. L'INAP travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que les urgents pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya pourra diriger en Haïti plus vite possible pour aider à rétablir stabilité à la paix pour nous soulager souffrance peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider à stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. Sullivan soulignait que les États-Unis mettaient programme en place pour aider haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Il dit nous pourrons continuer à pousser pour pied devant avec programme ça. Il dit tout, les États-Unis ouvrent porte pour haïtiens qui ont couru pour la violence gang, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking to deal with their circumstances in Haiti by coming here. L'idée assistance historique n'a pas pour haïtiens qui a couru pour violence là ou bien qui a échappé en bas mauvais conséquences la vie en Haïti et qui viennent aux États-Unis, nous a continué à faire ça. Sullivan répétait que cause principale situation Haïti a, c'est insécurité a.
But the root of all of this, of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country, is security and stability. And the United States. Il dit ça que la cause haïtienne pas qu'à circuler librement dans le pays, ni choisir qui côté vous voulez aller, c'est insécurité et instabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider à rétablir stabilité pour toute activité continuer à dérouler grâce à une force multinationale. Nous avons besoin d'argent pour faire ça. Sullivan dit administration Biden a cherché support démocrate ou républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur fait connaître, c'est chaque jour conversation ça y a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc, tu as capable le dossier Haïti à tout partout, que ce soit dans OEA, que ce soit dans les Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche, qui a même a penché sous dossier ça pendant ce temps. Nous connaissons que le Conseil et présidentiel transition lui-même est toujours dans difficulté pour l'installer avec toute confusion qui gagne dans la question légale et autres n'absurde pour. Mais malgré ça, et sécurité et violence gangue, Nations Unies, avec tout partenaire et local et international, rivaient distribuer aide humanitaire by moun qui n'a besoin. Nous parlons de New York avec Valérie Saint-Louis. Haïti a fait face à gros défis humanitaires qui ont augmenté à cause de violences gangues qui intensifiées pendant 3 semaines qui sont passées là. Ils ont rapporté que gangues Kounia contrôlé environ 90% de Port-au-Prince et ont lancé attaques chaque jour dans la capitale là. Selon Nations Unies, violence gangue t'a forcé 53 000 moun qui t'étaient ville là. Gros coup d'âme cap tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pifo boutique ak misis yo fermé depuis plus passé 8 mois. Dans l'autre partie dans ville là, partisan ancien leader rebelle Guy Philippe boulé caoutchouc et puis bloqué la ria pendant qu'il a essayé faire une manifestation pour demander que Guy Philippe fait partie processus politique là. N'a pas rappelé que monsieur Amé était boulé commissariat la police, yo était l'ouvrir coup d'âme sous principal aéroport international là qui était fermé et puis il était envahi 2 plus gros prisons en Haïti et ont libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapportait que jusqu'à date 22 mars là plus passé 1500 moun t'est mouri et yon lot 17 000 moun t'est obligé courir quitter caillou à cause violence gang yo. Dans mitan tout désordre ça yo, travail humanitaire a plité pour offrir service clé de base yo, tant qu'ou soins santé et puis distribuer manger by groupe moun qui n'en besoin et qui pi vulnérable yo. Programme manger mondial là, World Food Program, continue faire distribution manger ensemble avec partenaires local et international yo, yo ba yon plat chaud chaque jour, yo distribuer plus passé 22 000 repas chauds by moun qui déplacé yo. Pendant ce temps, organisation internationale migration ensemble avec partenaires yo, t'ai distribué 132 000 litres d'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitaine Port-au-Prince là. Système soins santé en capitale a été très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là soit fermé ou soit service affecté en pile par violence gang yo. Partenaires humanitaires continuent à supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile yo, toujours dans centre déplacement yo, et puis yo bay équipement médical ak fourniture pour reste l'hôpital qui a fonctionné yo. En dehors Port-au-Prince, dans l'autre département, opération humanitaire Nations Unies a continué. Organisation World Food Program a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école Lio. Et puis tout yo bay famille, yo ti chocho transfère l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après un rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1.1 million femmes actives en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gain pour souffrir malnutrition aiguë, ak youn sous 4 timoun k'ap souffrir de malnutrition chronique. Avec aéroport international là qui fermé, aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé rete yon défi, mais Nations Unies dit que la continue fournir aide ak support que le capable à travers agence ak partenaire yo ki sou place. En pile moun gen gros créatif pour que sauf si sécurité a ta vin rétabli, situation ka vin pi grave toujours et ti aide que population a recevoir, li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis, d'après t'es toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn côté eh ben gen glorieuse Nelson qui fait nous connaître que eh ben crise qui a passé dans pays d'Haïti a gen impact sur communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons rejoindre et glorieuse Nelson. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle. Insécurité grand goût rasé pour une cité ça seulement a taillé banda sous population. Une situation qui a conséquence sur haïtiens en dedans ou dehors pays. Quelques haïtiens nous rencontrer dans Brooklyn, New York, exprimaient qu'elle sautait à clapérez yo gagné les y a regardé ça qui a passé dans pays yo. Nous t'ai parlé à Kedine Celestin qui c'est un militant droit monde qui était obligé quitter Haïti ça gain 4 l'année.
m'pa pral di ko viv menm nivo stres ansanm avèk moun k ap viv sou teren paske yo nan bagala chak jou. Men ou gen stres ko ap viv an permanans, on apèl ke ou rate, on moun ke ou rele ke ou pa jwenn, on situasyon ke ou tande nan radio e ke ou ap imajine. Et ça qui est difficile là, c'est que ou obligé vivre dans la réalité pour la tout dans quotidien ça ou pas carré les pour dire pas le travail parce que Haïti pas bien ou pas carré les pour dire comme sa situation abdominaux ou pas faire activité chaque jour c'est un quoi vivre avec un stress et obligé fonctionnel même Jacques Militant doit mon là Steven Baboun qui c'est un artiste et photographe haïtien expliquer j'en ai gain anxiété. Il passe journée à informer à travers réseaux sociaux à divers autres sites qui pas information fiable. Les conscients cependant que les gains privilèges pour le déconnecter les pas gain force encore alors que compatriotes nous yo sous terrain a vivre dans temps des blousailles là ces pays mes familles mes amis anciens professeurs collaborateurs collègues mes tout le monde moi aussi Haïti donc qui gens m'ta fait craser habitude ça les dur me senti très inutile ça me voulait faire ou bien ça m'a fait pas gain pas grand impact immédiat, impact là pas assez. Et je me sentis très petit, très inutile, mais c'est un sentiment pour me craser, c'est un sentiment pour me combattre parce que c'est pas vrai. Sous Bopal, je dis que c'est un marchand qui est installé dans une Church Avenue et 18th Street dans Brooklyn, racontez-nous que business y prend coup. Madame Silla vend toute qualité produit qui était consorti directement à Haïti, mais depuis passé un mois, pièces marchandises par entrée. Donc là son gros crise lié pour moi-même, les affecter parce que c'est de ça me vivre, c'est commerçante moi. Bon carême n'a pas c'est la blanche. Pas gain pour France, pas gain pour vête, pas gain là-bas pain. Rien, pas gain dion, rien pas entrer. Même là où du Haïti gain problème, toute loi va le cacher. Toute loi va le cacher. Ou pas ca faire rien. Et de l'île moins vivre. Vous comprenez? Malgré l'inquiétude avec la Pérez, l'intervenant a expliqué nous qu'il voulait rester quoi dans un demain meilleur pour Haïti. Glorieuse Nelson, pour VOA Creole, Brooklyn. Merci, Glorieuse Nelson. Nous sommes en contact là avec Port-au-Prince, qui fait nous connaître que ben grand pile monde en bas la ville là dans zone rue pavée, rue de la Réunion, rue des Miracles, qui continue à quitter Kayo à cause bandit qui prend toute zone yo et gen moun chan mastou yo capable la fumée cap monter dans zone et dans zone cité soleil donc ça veut dire que gagnent en pile activité violence qui continue à marquer la vie pays. Mes amis merci pour attention, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci Nelson, merci Jean-Marc Hervé Abelard, merci et gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Lebelizer, souhaitez nous passer une bonne soirée et puis nawe demain.